dit arigato gozaimasu, sa bouche a fait arigato gozaimasu. Et quand il a dit parler français, il a fait merci beaucoup. What's your name? Il est malade. Kamura. I'm Japanese, so never again say merci beaucoup. C'est arigato gozaimasu. Ça déchire sa race. Ça déchire sa race. Hello les voyageurs, ici on est à Miyajima. Donc Miyajima c'est quoi? C'est une île magnifique. On vous conseille fortement de venir ici parce que c'est juste sublime. Il y a un temple qui est... Vous pouvez accéder à la porte du temple à marée basse. Sinon ici il y a des daims, enfin des biches partout. Qui vous accueillent. Qui vous accueillent et qui piquent aussi ce que vous avez dans le sac. On peut dormir sur l'île parce que nous on va dormir sur l'île. On a fait le choix de dormir sur l'île et pas à Hiroshima. C'est une manière plus douce et plus agréable de visiter l'île parce que du coup on a le temps de flâner, de se balader, de revenir à des heures où il y aura moins de touristes. Il y a un peu plus d'une vingtaine d'hôtels, donc c'est pas énorme non plus. L'île est habitée par des habitants, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a à peu près 1000 à 2000 habitants sur l'île. Sinon, c'est une île qui est absolument sublime, à tel point qu'elle est visitée par plus de 5 millions de touristes par an. Donc c'est pas rien, c'est pas pour rien qu'on est là. Ouais, c'est magnifique. C'est juste sublime. Scène quotidienne sur l'île de Miyajima. Ici, les ouvriers, ils caressent des biches. C'est juste normal. Déjà, la première chose que vous devez faire, c'est visiter le temple qui est juste... Mais comment vous dire? Il est dans l'eau. C'est le premier temple qu'on visite comme ça. Ah, c'est magnifique. On en a fait des temples à Kyoto, on en a fait plein. À Tokyo aussi, on en a fait. Mais celui-là, il est particulier, il est juste magnifique. Le décor est sublime et encore plus sublime parce que naturel. Donc ça c'est un gâteau, c'est une spécialité de Miyajima, ça s'appelle le Momiji Manju. J'espère que je dis bien le nom. Donc c'est une feuille d'érable. Pourquoi de l'érable? Parce qu'ici en fait il y a des érables partout à Miyajima. Donc c'est une spécialité d'ici, il faut goûter, c'est à base de... Bah, hop. Wow. À base de purée d'haricots rouges. J'ai même pas encore goûté, je sais déjà que c'est bon. C'est chaud, hein, non? C'est chaud en plus. Validé. Bon, on est toujours à Miyajima, on vient de quitter le temple. Maintenant, on a décidé de prendre le téléphérique pour aller au mont Minsen. Parce que c'est juste... Enfin, la vue, ça se passe de commentaires, j'ai envie de dire. C'est juste sublime. Ouais, gorille dans la brume. C'est trop beau. C'est juste trop beau. Ça fait un moment qu'on monte. Ouais. Là, de l'autre côté, regardez la vue de malade. De toute façon, je vous mettrai toutes les infos dans l'article de Hiroshima. Parce que je ferai un article Hiroshima-Miyajima. Regardez le paysage de dingue. On a un panorama de malade. Ah, franchement, c'est trop beau. Donc on n'est pas encore au sommet du mont Minsen. Non. Mais déjà à ce niveau-là, après avoir pris les deux téléphériques, déjà on a pas mal de belles vues. Ouais. Après, vous pouvez, il y a encore une demi-heure de montée. Bon, c'est à pied, donc faut avoir un petit peu sportif. On est dans un panorama, un cadre idyllique. Si vous êtes avec des enfants, pas besoin de faire d'aller jusqu'au bout. Mais c'est faisable. Vous arrivez en téléphérique ici et vous êtes bien, quoi. La vue est déjà incroyable. La vue est déjà sublime. Après, c'est vrai que si tu montes, tu as plusieurs spots qui sont donc des temples. Il y a des belles choses à voir. Ça vaut le coup d'œil. Ouais. Bah, moi, je vais pas mentir, je vais pas le faire. Là, on vient de quitter
le mont Misen. Donc c'était, on en a pris plein les yeux, on était dans la nature. Et là, on se retrouve dans un temple bouddhiste, le temple d'Aisho In. Et en plus, on a eu le privilège de faire la visite du temple avec un moine. Ouais. Et vous aussi, on a demandé si tout le monde pouvait faire cette visite, évidemment. Donc tout le monde peut faire cette visite et c'est intéressant d'avoir leurs avis, leur manière de vivre, leur manière de fonctionner. Nous, on aime bien apprendre un peu de tout le monde, les autres cultures, les autres religions. Et là, c'était intéressant, on a appris pas mal de choses. Donc on vous invite vraiment à faire ce temple qui est vraiment joli. J'aime bien vous faire visiter les chambres, une fois n'est pas coutume. On est sur l'île de Miyajima et la chambre elle est juste trop belle, je vous la fais visiter tout de suite. Je parle des toilettes ou pas? Bah, la pièce la plus importante. La pièce maîtresse. Allume la lumière. On s'en fout de la tapisserie. Bon. Mais surtout ils ont mis des petites chacasses et puis les fameuses toilettes, ils déchirent. Là il y a la salle de bain. Donc la salle de bain japonaise, elle est comme ça. Les baignoires sont petites, mais en fait la baignoire, elle sert juste à prendre un bain. À se baigner. La douche, elle se fait ici. À droite. Directement sur le carrelage, en fait. C'est comme ça qu'ils se douchent. C'est ça. Là, c'était justement prêt. Oh là là, j'aime trop. C'est trop beau. C'est grand. Franchement, elle est trop belle. Elle est trop belle. On voit qu'elle est bien grande, quand même. Et on va dormir sur des futons. Ça c'est bien, le Japon dort sur le futon. Ouais, donc voilà, c'est ça la pièce, hein. C'est ça la chambre. Ouais. Oh, c'est trop mignon. C'est un service à thé. Regarde. Enfin, la cérémonie du thé, mais tout seul. Petite terrasse à l'extérieur. Et petit frigo, petite bouilloire pour faire son petit thé, prendre un verre. Ouais, sympa. Puis ton petit thé, t'es sur l'île. Ou voir la vue, si je sais pas si on l'a vu. Hop là. Ouais. Sur un arbre. Vue sur un arbre. Non, vu sur la végétation, regarde. Ah ouais. T'es fou, t'es dans le cœur. Je sais pas si vous entendez le bruit, mais... T'es au cœur de l'île. Putain, tu devrais ouvrir la fenêtre pour qu'ils entendent le bruit. Oh, on se croirait à Fraser Island. Ouais. Oh, en Australie. Le même bruit. On est bien. Franchement, on est bien. La bombe. Dans du traditionnel. Ah oui, mais... On n'a pas dit, mais... Faut mettre ça au sol. Tu mets ça au sol, en fait. C'est des futons. Des futons. Voilà. Pour dormir, c'est avec ça. Bon, c'est notre dernier dîner au Japon et on le fait comme il se doit. C'est plein de petits, pas des hors d'œuvre, mais c'est hyper raffiné. C'est plein de petits plats. Là, il y a des sashimi, là, il y a des haricots. Là, c'est de l'omelette. Après, je sais pas exactement ce qu'il y a dans tout, mais c'est hyper fin, hyper raffiné. Ouais. D'habitude, on cuit le riz dans un cuiseur à riz, tout le monde connaît. Hein. Mais là, c'est vraiment la manière vraiment, vraiment traditionnelle de cuire le riz. Donc, vous n'allez pas voir ça partout. C'est génial. Il y a du chou avec du beurre et du. Ok. Non, il a dit attendre 10 minutes avant de mourir. C'est du beurre. Explique le repas, c'est un repas royal. Alors, le repas. Explique. Déjà, si vous venez à cet hôtel, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de manger à l'hôtel. Voilà. Et là, en fait, regardez, c'est un petit peu comme des mezzés au Liban. Il y a plein de petits plats. Et comme ça, il nous a mis la liste de ce qu'il va ramener. Là, regarde. Et donc, il va ramener ça au fur et à mesure du repas. Là,
Je vais pas le c'est laisser. Bien, tu manges avec des baguettes. Enfin, j'essaye. Ah, je sais plus. Salut moto. Ah, Salut moto, c'est... revient. Il s'est croisé, salut moto, regarde. C'est salé, bon, c'est salé. C'est salé moto du Blaine, là. Ok, yeah. I test. Yeah. Ouais, bravo. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato. Allez, on va chercher quoi ce qu'il fallait pas rapprocher d'un. C'est trop. Ah, non. C'est que maintenant tu as ça, ça des motos. Qu'est-ce que je garde derrière avec ce machin? Pas manger avec des fourchettes. C'est bien, tu manges au Japon comme les Japonais. Mmh. Très bien. C'est bon, c'est en kiff, non? Bah, je suis chez moi. Ah, t'es chez toi? Indazaka? Ouais, vas-y, va péter. Oh, 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 il va tomber. Oh, oh, oh. Kozaimasu. 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 Attends, et pourquoi il tourne? Il tourne, il est vivant. Je vais lui demander s'il est vivant. Are you kill the fish? Mon repas était exceptionnel. Le problème, c'est que j'étais mal accompagné. Merci. Mais sinon, le repas était bon. En fait, j'étais accompagné avec deux Françaises, deux touristes. Et moi, en tant que Japonais, j'aime pas comment ils savent pas se servir des baguettes. Ils demandent tout. Ça c'est quoi? 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 Bah ouais, mais c'est pas du camembert. J'en peux plus de ces Français, lui. J'en peux plus. Ah là là. C'est mon tour. Arigato gozaimasu. Hiroshima. Bon, Hiroshima, on est venu ici pour des raisons évidentes. Historiquement, c'est une ville qui est tristement célèbre. Tristement célèbre. C'est bouleversant d'être ici. Là, on traverse le mur de la paix. Et là, on va aller au mémorial de la paix. Donc, on va aller voir le musée. Donc, évidemment, si vous venez au Japon pour visiter, il y a aussi une partie historique qui est assez triste, mais importante à visiter, c'est Hiroshima. Et là, on est au musée mémorial de Hiroshima, donc c'est important de venir ici. C'est vrai que c'est triste, mais c'est l'histoire, ça fait partie de l'histoire du pays. Donc pour ceux qui ne savent pas, Hiroshima a subi une bombe nucléaire de la part des États-Unis le 6 août 45. Donc pourquoi Hiroshima? Parce que c'était une question de topographie en fait. Ils voulaient tester la bombe sur une ville d'une certaine taille avec un certain nombre de gens pour voir la bombe, les dégâts qu'elle ferait sur cette ville-là. Donc ça a été un carnage, on va pas se, voilà. Ça a été, c'est très très triste d'être ici, sachant que 3 jours après, en plus, ils ont envoyé une bombe sur Nagasaki. Donc pour vous dire que c'est quand même assez spécial, c'est émouvant d'être ici, c'est pas facile, mais c'est vraiment, c'est l'histoire. C'est comme au Sénégal quand on est allé à Gorée, c'est un peu le même principe. Nous, quand on visite un pays, on veut aussi un peu connaître l'histoire, même si on peut pas rentrer en profondeur, mais c'est important de connaître l'histoire du pays et de savoir un peu quelles sont les relations géopolitiques avec les autres pays, pourquoi ça explique en fait l'histoire du pays. Bah voilà un exemple de scène qu'on peut voir. Là sur cette photo en fait, la bombe elle vient tomber. Toutes les personnes qu'on voit sur la photo sont mortes, sauf cette femme en fait, qui avait entre 25 et 30 ans à l'époque et qui est encore vivante aujourd'hui, qui est une survivante. Elle doit avoir plus de 80 ans. Et par contre, elle ne s'est jamais mariée, elle n'a jamais trouvé quiconque qui veut se marier avec elle, parce qu'évidemment, elle a quand même été irradiée, mais elle est encore vivante aujourd'hui, elle a plus de 80 ans, c'est incroyable.
Voilà, un autre exemple hyper triste, c'est ces deux petits bouts de choux qui étaient en train de jouer devant chez eux. Ils étaient en train de jouer au tricycle. Donc la bombe est tombée et on voit ce qu'est devenu le tricycle. J'ai fumé. C'est inutile de vous dire ce qu'est devenu, ce que sont devenus les enfants. C'est assez... Et là... Voilà, il y a une montre en fait qui s'est arrêtée pile à l'heure de l'impact, 8h15. Et elle est toujours là. Voilà. Donc c'est trop agréable. Et regardez, en fait, il y a plein de petites attractions autour de la paix. Dans celle-ci, en fait, tu peux créer ton propre avatar. The champion. 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 Ok, t'es bien arrivé. Bravo. Yeah, beautiful. Thank you. Arigato gozaimasu. Thank you. Donc là, nous, nos origamis sont faits. Ouais. Voilà, avec l'aide du directeur, s'il te plaît. Ouais. Donc on est accompagné du directeur, c'est un honneur. Donc là, on va prendre, chacun va prendre son origami et on va aller l'emmener dans le récit. Allez. Allez. Bon, j'ai le vertige quand Vas-y. même. Vas-y. Allez, repart en bas. Oh, oh mon dieu. Vas-y. Waouh, regardez, un truc de fou. Waouh, c'est magnifique. Non mais c'est énorme, d'être là. Moi je surpasse mon vertige pour contribuer à la paix, mettre mon petit origami dans le récipient. Je suis trop fière en fait de me dire que je vais reparticiper. Parce que tout ce qui est, bon, je pense comme tout le monde, mais tout ce qui est injustice dans le monde, nous ça nous hérisse les poils. Donc juste savoir qu'on peut participer à ça et mettre notre petit origami, je suis trop fière. Vous savez que si vous venez à Hiroshima, il y aura l'origami de Linda, pour la team Linda. Je vais le mettre dans le récipient, mais c'est pas que pour Hiroshima, c'est pour toutes les parties du monde qui souffrent d'injustice, de guerre, tout ça. Donc je le fais vraiment pour la planète entière. Beau gosse.